interview. Je vais m'asseoir. J'étais presque tombé en bas de mon siège. Monsieur Tremel, vous me faites tomber en bas de votre siège. Mon sac, est-ce qu'il est là-bas? On a besoin de son sac. Eva, would you bring my bag over? My bag. Or did she took it? Oui, mais c'est moi qui lui ai dit de la porter là-bas, monsieur Tremel. My monsieur, bag. Monsieur Tremel. Monsieur Tremel, on est en direct présentement. OK. On se parle. All right. Vous avez l'habitude en direct? De... Oui, ben okay. Disons que oui. OK. Vous avez l'habitude de vous présenter, n'est-ce pas? Merci. Oui. Votre expérience en leadership, vous l'avez pris où? Leadership. Parce que quand on se présente pour être un élu municipal ou un élu fédéral ou un élu provincial, il faut absolument se sentir comme un leader. Well, non. Moi, je me sens comme quelqu'un qui préconise un logiciel. Et ce logiciel permet aux pauvres, disons des parents, ok, seuls, de mettre en ligne quel soir qu'ils peuvent faire du gâtage des bébés, etc. Ok, du gardiennage. Gardiennage, et se payer avec des heures de temps, même quand ils sont cassés. Donc, c'est une banque de temps, c'est le logiciel en anglais, c'est Let's. En France, ce sont des scènes et je préconise de tels logiciels par le gouvernement. OK, regardez-moi ici, là. OK. Regardez pas la caméra, là, on se parle. Dites-moi, ça vient d'où, votre logiciel? Vous dites en France, est-ce que ça existe ailleurs dans le monde? Well, on a commencé au Canada. Oui. En 1984, Michael Linton avait écrit un logiciel SLETS. Oui. Les téléphonies. Il voulait l'investissement pour créer un logiciel. Et j'ai dit, y a-t-il l'intérêt dans ton logiciel? Il a dit non, ce sont des jetons sans intérêt. J'ai dit, OK, je vais le financer. OK, il n'y a pas d'intérêt. Donc, en d'autres mots, c'est un endroit où on échange des services. Avec des heures de temps avec comme l'argent. Avec les heures de temps comme étant de l'argent. Il y a beaucoup de sociétés dans le monde qui fonctionnent, qui ont fonctionné comme ça dans le passé, n'est-ce pas? Et des milliers maintenant avec ce logiciel. Oui. Où est-ce que c'est appliqué présentement? Oh, faites une recherche sur Let's ou Cell et vous trouvez Australie tout partout. En Grèce, ils ont eu leur crise, ils ont commencé des systèmes d'échange local. Oui. En Portugal, en Argentine, même en Russie. Lorsqu'ils ont eu leur crise, ils ont commencé 750 agents communautaires locaux dans leur ville et 25 000 agents comme Canadian Tire. Si je t'offrais un dollar qui disait Coca-Cola, tu le prendrais parce que tous les autres le prendraient. Oui, oui, oui. Donc, oui. Mais pas des coupons. Non, non, pas des coupons, mais ça ressemble un peu. C'est pas la même chose. Oui, c'est ça. Oui. Donc, je suis ici en plus pour vous avertir qu'on s'est fait voler. OK? Nous avons. Ça commençait ici. Ça, c'est la dette fédérale au Canada. OK, bien, on va la tenir ici. OK? Et on peut voir que. Ça a commencé en 1974 à monter. Avant ça, c'était toujours moins que 20 millions. Oui, oui. Mais en 1974, ça commence à monter. Oui, vous avez raison. Non, voici l'Ontario. La même chose. 1974, ça commence à monter. Qu'est-ce qui explique? Le Québec. Expliquez-moi, monsieur. La même chose. 1974, la dette commence à monter. Expliquez-moi, pourquoi 1975? Début des 70, mi-70, la dette commence à voir. Qu'est-ce qui est arrivé dans les gouvernements? Est-ce qu'on a commencé à investir un petit peu, beaucoup, dans les services sociaux, comme les services sociaux, c'est quoi qui fait qu'on a commencé à s'endetter à partir des années 70? Bon, je voulais vous dire, allez à mon site, smartestmanonearth.ca. OK, oui, oui, personne autre que moi a pris ce site, smartestmanonearth.ca. Et les raisons, c'est parce que j'ai un degré en génie électronique et j'ai spécialisé dans les mathématiques du gambling, comme M. Spock,
dans Patrouille du Cosmos. OK? Donc, j'ai la même éducation que M. Spock. Et donc, c'est pour ça que je préconise ce logiciel. Mais j'ai noté que à mon site, smartestmanonearth.ca, j'ai des vidéos qui expliquent que en 1974, avant ça, les provinces et le gouvernement pouvaient emprunter de l'argent de la Banque du Canada. Bon, ben, c'est ça que je voulais vous faire dire. C'est ça que je voulais vous faire dire. En 1974. On a commencé à charger d'intérêt au gouvernement. Oui. Oh, well, non, la Banque du Canada a fermé ses prêts et ils ont dit allez aux banques privées pour emprunter vos gouvernements. Et donc, depuis 1974, quand la Banque du Canada a fermé ses prêts sans intérêt, nous avons l'accroissement de la dette nationale ontarienne québécoise et même en France. 1974, leur dette a commencé. Et d'autres pays autour du monde, ils ont fait la même chose. Monsieur Turmel, vous voulez que les gens votent pour vous le 3 avril? Ouais, votez pour mon logiciel, pour des prêts sans intérêt. Mais pourquoi? Mais si vous vous présentez, c'est parce que vous aimeriez gagner. Si vous... Votre logiciel va aller où, là, si vous ne gagnez pas? Là, qui va s'en occuper? Est-ce que les... Voici. Ça, c'est mon cartoon pour la dernière élection avec Justin Trudeau, puis Harper, puis Mulcair. Vous avez le choix. J'ai oublié, madame. OK, oui. Vous avez le choix. Le singe avec le sel, le logiciel, qui va le donner au opérateur du système de la Banque du Canada, ou bien voter pour les autres qui n'ont pas de logiciel. Bon, monsieur... Vous devriez voter pour le singe. Monsieur Turmel, regardez-moi ici, là. Je suis là, là. OK? Là, là, si vous ne gagnez pas, là, vous ne pouvez pas l'implanter, votre logiciel. Oh, ben oui, en 1996, quand j'ai candidat contre Sheila Copps à Hamilton, j'avais dit, j'ai pas besoin d'être élu pour que quelqu'un cherche le logiciel et commence une banque de temps. Et exactement un mois après le headline Super Loser Fails Again, Guinness Record, un mois après exactement, le Hamilton Self-Help Group commence un sel. J'avais pas besoin d'être élu. Parce que vous savez ce que vous faites? C'est beaucoup dans la ligne de tout ce qui est innovation sociale, de tout le financement social. Ce que vous nous dites là, c'est quelque chose qui est de plus en plus commun. C'est vrai que vous êtes le premier que j'ai entendu en parler dans les années 80 et 90. Quand il y en avait pas. Votre idée qui en fait son chemin. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui fonctionne de cette façon-là. J'ai même été invité aux Nations Unies en 2000 et ils ont passé la résolution pour une banque de temps à tous les citoyens du monde. Un jour. Oui. Ça veut dire que vous pourrez offrir du travail ici pour payer pour vos vacances là-bas. Quand j'étais en Europe en 1999, j'ai payé pour 39 nuits sur 40 avec un coupon qui leur promettait une nuit au Canada, s'ils venaient me visiter. Ça existe. Oui. L'exemple que vous donnez, vous étiez innovateur dans ce domaine-là. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a ces échanges-là entre les gens. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui font des échanges avec des personnes qui habitent dans le sud de la France, puis les gens viennent ici, puis eux autres vont là. Ça ne leur coûte rien. Donc, votre idée, quand vous en parlez, ça a l'air comme si c'était une idée farfelue. Mais quand on s'arrête pour écouter ce que vous dites, ça a plein de bon sens. Mais ça commence, ça agrandit sans que je fasse rien. C'est ça. Moi, mon site web, je mentionne seulement tous les pays qui, chaque fois qu'il y a une crise, ça commence des systèmes d'argent local. Oui. Sans intérêt, parce qu'on les imprime nous-mêmes. Oui. Donc, oui. Alors, est-ce que la meilleure place pour vous, c'est de vous faire élire? Pourquoi vous vous présentez toujours? Vous n'avez pas l'air à vouloir gagner. Well, est-ce que vous voulez gagner? Well, oui et non. Je veux le pouvoir pour instaurer le logiciel. Mais si vous êtes élu comme député d'Ottawa-Vanier, vous ne pouvez pas faire ça. Oui, mais lorsqu'il y a assez d'argent, c'est quoi le problème? Il n'y en a plus. OK? Donc, je veux régler le manque d'argent qui va régler tous les autres problèmes.
Et lorsque le logiciel est instauré, je peux prendre ma retraite, peut-être le même soir. Je dis simplement que je ne veux pas être élu pour le pouvoir d'être premier ministre. Non. Et si vous allez à YouTube pour Prime Minister of the Planet, je suis le seul candidat, OK? Mais ce n'est pas pour le pouvoir, c'est pour instaurer le logiciel. Mon devoir, quand ils m'ont donné mon degré en génie, ils m'ont fait assermenter que je ne laisserai pas la génie inférieure exister. Donc, quand j'ai vu le système bancaire qui faisait défaut et que j'étais le seul ingénieur au Canada qui avait, au monde qui avait spécialisé dans le système bancaire avec mes casinos, mes banques de casinos sans intérêt, j'ai vu que c'était mon devoir comme ingénieur de réparer ça. Écoutez, M. Turmel, c'est tout le temps qu'on a. Ça fait déjà 12 minutes que vous nous parlez. Puis, je trouve, je sais que ça a l'air farfelu ce que vous faites, mais moi, j'y crois dans votre système. Maintenant, vous vous présentez pour être représentant d'Ottawa-Vanier. Pourquoi est-ce que les gens devraient voter pour vous dans 30 secondes? Parce que je peux leur sauver tout l'intérêt sur la dette nationale. Ça, c'était tout ça. Presque un trillion d'argent. Ça, c'est, on a perdu 70 000 chacun d'intérêt, on peut le revoir. Donc, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer ce matin. Okay. Je vous souhaite bonne chance. Et, les élections sont le 3 avril. Et s'il y a quelqu'un qui comprend le logiciel, allez chercher le sel et commencez une banque de temps à Ottawa. Merci beaucoup, M. Turmel. Merci. Je suis John, l'ingénieur Turmel. Et j'ai osé prendre le site. N'importe qui d'autre a osé prendre smartestmanonearth.ca. Now, avant de parler du plus smart, parlons des pas smart. Comme les autres partis parlementaires, je croyais auparavant que le CO2 causé en brûlant le charbon chauffait la planète dangereusement. Mais en 2009, on a appris qu'ils ont utilisé un truc pour cacher le déclin dans la température. Et la température a été réduite depuis les derniers 18 ans. Et ils nous disent que c'est le plus chaud, la plus chaude année de toutes. Well, c'est pas vrai. Parce que ceux qui ont fait des recherches se rappellent dans les Moyen-Âge quand la terre verte était verte et quand il y avait des vignes en Angleterre. Quand c'était vraiment chaud. Ici, c'est pas chaud du tout comparé au Moyen-Âge. Donc, ils mentent à propos de ça. Mais le pire, c'est les ressources gaspillées. Fukushima poisonne la planète, l'océan. Ça, c'est une vraie menace. Et la chefferie humaine est en train de gaspiller des ressources, essayer d'arrêter le climat de changer. Well, avec de tels post-mart, c'est assez facile d'être plus smart, sinon le plus smartest man on earth.ca. Well, ceux qui me connaissent savent que j'étais le teaching assistant du cours des mathématiques du gambling à Carleton de 1974 à 79. Et je suis devenu un parieur professionnel. Et dans la vue Rounders avec Matt Damon au Taj Mahal, toutes les parties ont un gars appelé le professeur qui connaît les chances. Bon, moi, j'ai été appelé le professeur à ce Taj Mahal dans la vidéo. Donc, j'ai les mathématiques pour déterminer quelle direction est la plus gagnante. Si je vous dis qu'on peut gagner 1 fois sur 10 en faisant ça et 2 fois sur 10 en faisant ça, c'est qui va chialer quand je choisis 2? OK? Donc, c'est une nouvelle science, les mathématiques du jeu, avec laquelle on peut prédire l'avenir avec les statistiques, mon expertise. Donc, oui, toutes les choses qu'ils veulent faire pour étudier tout ça, d'accord, mais les experts feront ça. Lorsqu'ils ont fait ça, puis offrent les choix différents, je ferai mon analyse pour choisir le gagnant qui nous perdra le moins. C'est ça mon expertise. Well,
Pourquoi ça ne me surprend pas, M. Chamberlain, que vous ajoutez quelque chose? Allez-y. Je commençais. Oui, oui. Écoute, dans Patron du Cosmos, M. Spock, il y avait un degré en science et les mathématiques du jeu. C'était lui qui leur disait figurer les chances. Well, moi, j'ai la même éducation que M. Spock. M. Spock, c'était un film d'histoire de télé. Dans Patrouille du Cosmos. Oui, oui. Bien connu, OK? C'est là. Il y a beaucoup de logique. Donc, c'est simplement que j'ai la même éducation que M. Spock. Donc, quand j'essaie de dire que peut-être je suis « smartest man on earth », si vous pourrez accepter, lui pourrait l'être. Well, là, vous pouvez l'accepter que moi, je pourrais l'être. Voici la dette nationale du Canada qui a commencé à accroître en 1974 avec tout l'intérêt chaque année, 1 trillion depuis 1974. Et voici la dette de l'Ontario qui a commencé à s'accroître en 1974. Et la dette du Québec a commencé à s'accroître en 1914. Et la dette de France commence à s'accroître en 1974. Qu'est-ce qui est arrivé en 1914? Pour faire causer la dette, l'expansion... 1974. Pour payer l'intérêt, des trillions. Ben, allez à mon site, voir mon vidéo, vous l'expliquer. Qu'est-ce qui est arrivé en 1974 pour que vous puissiez perdre votre 70 000 piastres chaque. 1 trillion taxé en intérêt sur 40 ans, ça veut dire que votre part serait 70 000 si on pourrait le récupérer. Et moi, je sais comment le faire. C'est tout du logiciel. Mais, allez voir qu'est-ce qui est arrivé en 1974 pour faire accroître les dettes nationales, provinciales, municipales, personnelles, pour tout le monde. OK, well, vous pouvez attendre jusqu'à temps que le gouvernement vous n'aide pas, ou bien vous pouvez le faire vous-même. En 1984, j'ai produit ce logiciel, LETS. CEL, en France, le système d'échange local, Local Employment Trading Software. Ça permet des familles avec une mère tout seul ou un père tout seul de loger quelle nuit ils peuvent faire du double gardage et se payer avec des billets de temps s'ils n'ont pas d'argent. Des billets de temps. 1 heure de gardage. Gardiennage. Le mécanique commence à prendre 3 heures par heure. Le dentiste commence à prendre 6 heures par heure. Et il y a un réseau de support qui développe en commençant un réseau, une banque de temps. Et moi, j'ai financé le premier logiciel. Et chaque fois qu'il y a une crise, vous parlez, ils ont toujours parlé des LET systems commencés au Canada, par moi. Merci, monsieur Turbin. OK, well, je vais financer la francophonie. Il manque d'argent pour leur programme. Donc, comment financer ça? En Argentine, lorsqu'il y a eu leur crise, les unions ont dit qu'il n'y aura pas de chômage. On va accepter des bons gouvernementaux si on peut les utiliser pour acheter du pouvoir, la médecine, nos taxes et nos permis. Et tout le monde a commencé à accepter des bons gouvernementaux sans intérêt et ils ont éliminé leur chômage complètement. Monsieur Dumas, je rappelle que la question porte sur les francophones. C'est comme ça que je vais leur offrir le financement nécessaire pour faire leur bilinguisme requis. Merci. T'as besoin d'argent, je l'ai. OK, je serai prêt. Vous seriez prêt à l'explorer? Oui. En Grèce, par leur crise, ils ont commencé à parler d'un argent parallèle. Et voici comment ça pourrait marcher, ce logiciel à la Banque du Canada. Ta question porte sur la sécurité des femmes à Ottawa-Vanier. J'ai avec plus d'argent, il y aurait plus de police. Okay. Je vais continuer. Là. Comment leur donner plus d'argent? Si tout le monde pouvait avoir un compte à la Banque du Canada sans intérêt, et les gouvernements aussi, il y aurait assez d'argent comme en Argentine pour payer plus de police. Et il n'y a plus de pauvreté pour les femmes.
Si le père, c'est un batailleur, ils peuvent s'en aller à un hôtel. Ils ont des crédits. Ils ont de la financement pour s'évader. Donc, un compte à la Banque du Canada permettrait des femmes abusées de s'évader et permettrait au gouvernement d'offrir plus de police. Merci, M. Germain. Imaginez si les idées mineures auraient la chance d'être exposées en Parlement. Imaginez-moi, là, ça causerait du trouble. Un gars. Well, oui, on est désespérés et on est déçus. On a été promis et il n'a pas gardé sa promesse. Comme la marijuana, il nous a promis pas garder sa promesse. Il devrait avoir honte. Merci, M. Germain. Justin. Well, les libéraux ont promis réforme. Après, ils ont pris un pôle. Ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de consensus pour réforme. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait. La prochaine fois, prenez le pôle avant de le promettre. Merci, M. Turmel. Madame Fortier, est-ce que vous voulez répondre? Non? alors, on va passer. Allez-y. OK. Mais oui, ça porte sur l'argent, M. Turmel. Vous allez pouvoir donner de l'argent. Oh, toujours ça, retourne toujours à l'argent. Ça porte sur l'argent, ça va. OK. Oui, comme PayPal. Comme PayPal, vous irez à la Banque du Canada, vous commencerez un compte, et au lieu de leur donner votre carte de crédit comme base, vous leur promettrez des heures de temps à la banque, Et avec ce prêt sans intérêt, well, vous pourrez payer toutes vos dettes à vos cartes de crédit, vos prêts étudiants, toutes vos dettes à intérêt, et devoir un numéro à la Banque du Canada. Et après ça, tous les paiements vont contre le principal, contre le capital. Donc, tu m'intéresses sans intérêt, on achète la maison. On détermine combien ça va détériorer et combien de dépréciation qu'on devrait payer là-dessus. Et c'est ça qu'on paye, il n'y a pas d'intérêt. Et soudainement, aux États-Unis, ils ont 18 millions de maisons vides et 3 millions de personnes sans hébergement. Imagine ça. 6 fois plus de maisons vides que de gens qui ont besoin d'hébergement. Probablement la même chose au Canada. Donc, en donnant les gens une carte de crédit à la Banque du Canada pour qu'ils puissent s'acheter un petit condo ou une maison et payer le capital, pas d'intérêt. Ça rend tous les hébergements affordables. Merci, M. Turmel. Je suis d'accord complètement. Tout le monde devrait. Oui, il devrait avoir ça. C'est si bon, on devrait leur donner ça. Mais comment payer pour? Moi aussi, j'aimerais. Tout le monde veut leur donner ça. Mais comment ça se paye? Moi, j'ai expliqué ce soir comment ça se fait. Et les autres le veulent. Ne savent pas comment le payer pour. Et c'est ça la grande différence. Si vous ne comprenez pas comment la réforme monétaire peut vous sauver, allez voir les anciens créditistes, crédit social, mon parti ancien. Moi, j'étais un créditiste. Pour moi, des crédits sans intérêt sont des crédits sociaux. Puis ils riaient de nous autres qui voulaient des crédits sociaux à la Banque du Canada. Et maintenant, vous avez toutes vos dettes qui s'accroissent par votre volonté et votre vote. Merci, monsieur. J'aimerais ajouter, faire une parenthèse ici pour dire que monsieur Turmel, je le connais depuis 37 ans, que j'anime des débats électoraux depuis les années 80. Il était là au début. Il disait la même chose. Mais aujourd'hui, on peut se rendre compte que le financement social pour financer l'économie sociale est très semblable à... Il n'y a pas de casino dans le cas, mais il y a des... je ne sais pas, j'espère que non, mais il y a des similitudes. Alors, vous êtes très patient, hein? 37 ans? Ça fait 37 ans que vous vous présentez? 79, la vie de... Ah bon, alors moi je vous ai connu en 85, alors c'est pas 37, moi c'est 32. moi j'aimerais vous poser une question au sujet... il reste une question du public, mais avant... J'aimerais vous entendre sur la communauté autochtone. On sait qu'il y a une grande communauté autochtone dans Ottawa-Vanier. Il y a le centre Wabano qui est un centre vraiment exemplaire pour toutes les communautés.
Il y a la commission présentement sur les femmes docteurs. Il y a le Look at my face. I know. I don't know what she's saying. Qu'est-ce que vous vous proposez de dire et de faire pour faire avancer ce dossier? C'est madame, madame Fortier. Les autres ça fait toute la liste des choses que le gouvernement libéral a commencé à mettre en place en octobre 2015. Et honnêtement, il reste beaucoup à faire avec le plan qu'on a, puis de réaliser qu'on n'a pas fini. On ne fait que commencer. Merci, Mme Fortier. C'est à vous, Mme Thomas. Merci. Je pense... Oui, le gouvernement a commencé un programme, mais je vois la chance qu'on a avec une opposition progressiste forte d'encourager le gouvernement de continuer leurs efforts pour assurer la belle qualité de vie pour tous nos autochtones. Merci, Mme Thomas. C'est à vous, M. Trudeau. Même problème, passé d'argent. Mais je vais finalement expliquer qu'est-ce qui est arrivé en 1974. Parce que c'est la même solution. Monsieur Turmel, ça a rapport aux Autochtones? Même solution à... Aux Autochtones? Quoi? Ça a rapport aux Autochtones? À tout le monde. Ils veulent plus d'investissement, n'est-ce pas? Ils veulent du respect. Well, plus d'investissement dans le temps. Well, je vais offrir plus d'investissement. D'accord. OK, mais je vais expliquer comment finalement. Oui, OK. Donc, commençons encore, OK? All right, la Banque du Canada, avant 1974, offrait des prêts sans intérêt au gouvernement et aux provinces. Donc, la dette restait minime, moins de 20 milliards tout le temps. Mais en 1974, les banquiers ont fait fermer les prêts sans intérêt aux provinces et au gouvernement et les ont forcés d'aller emprunter des banques privées et de nous taxer pour leur payer de l'intérêt. C'est pour ça que la dette nationale, provinciale et d'autres pays a commencé à s'accroître en 1974 parce qu'il n'y avait plus accès aux prêts sans intérêt de la Banque du Canada. Non, on peut retourner, ouvrir la fenêtre avec des prêts sans intérêt à la Banque du Canada pour financer toutes les réformes dont vous vous souhaitez et dont les problèmes dont vous vous plaignez. Merci, M. Turner. C'est à vous, M. Turmel. Vous allez mettre l'argent dans l'Université franco-ontarienne, n'est-ce pas? Le maximum. Merci. Merci, M. Turmel. C'était M. Turmel. Je suis aussi confuse que vous. M. Turmel, quel rôle voulez-vous jouer pour encourager, pour s'assurer que les immigrants sont pleinement reconnus et puissent collaborer pleinement? Je leur donnerai un compte à la Banque du Canada aussi. Sans intérêt. Oui. Mais, notez que lorsqu'ils recevront leur compte et notre support, peut-être qu'ils voudront retourner chez eux, rebâtir leur chez eux. Parce que nous avons aidé les États-Unis à organiser des guerres dans leur nation, qui a détruit leur nation. Et moi, j'aimerais leur donner une raison de vouloir retourner. Mais pourtant qu'il y a des bombes qui tombent, il faut leur accepter ici, c'est nous autres qui avons financé les bombes. Donc, un prêt sans intérêt, un compte à la Banque du Canada sans intérêt, ou la Banque de Syrie, ou la Banque d'Irak sans intérêt, leur donnerait raison de vouloir retourner et rebâtir leur chez eux. Merci. Out of the box. Et ceux qui aiment ça ici peuvent rester. Merci. Well, les pauvres seront toujours opprimés par les riches. Et ce n'est pas une fonction du gouvernement. Lorsqu'on emprunte 10 dans notre mortgage et on doit le capital et un autre 11 dans notre mortgage, à la fin de notre mortgage, il y a un gars qui est mort. 9 gars pourront s'en sortir avec 11, mais le 10e fera faillite dans son mortgage. Et ça aura été les plus puissants qui l'auront détruit dans le marché, dans l'économie. Ils empruntent, payent pour la production, haussent les prix pour payer l'intérêt. Ceux qui vendent le payent, ceux qui ne vendent pas perdent tout.
C'est comme ça que ça marche, le mortgage. Vous les avez toutes, vos hypothèques. Comment ça se fait qu'ils appellent ça pas des mortgages en français? Parce que vous comprendrez qu'est-ce que c'est un mortgage. Et pourquoi il y a tant de personnes qui sont mortées tout autour de vous autres dans le jeu financier. Donc, des prêts sans intérêt éliminent le mortgage. Et donc, les pauvres seront moins opprimés lorsqu'ils auront assez d'argent pour se défendre. Merci, Monsieur Turner. Well, l'économie, sur mon tombeau, ils pourront mettre... Ils voulaient abolir l'intérêt. C'est quoi? On pourra mettre quoi? Abolir l'intérêt. Mais vous savez, Réal Cahouette serait fier de vous, hein? Pardon? Réal Cahouette serait fier de vous. Ah oui, oui, oui. Numéro 2, abolir les prohibitions sur la marijuana. En 2000, j'ai commencé des batailles en cours pour légaliser. En 2003, j'ai été sur la colline parlementaire avec 3,3 kilos. Assez pour une sentence de vie. Apportez ça à Jean Trudeau parce que je ne voulais pas qu'il recriminalise la loi. Et garde ça, ils ont arrêté la nouvelle loi, puis ils ont abattu 4000 accusations, puis c'est mon appel qui a fait ça. Bon, ça continue encore. La semaine passée, dans le droit, un procès de 1500 secondes, un gars avec 20 plaintes. J'ai fait une défense, ils ont besoin de 300 jurys pour choisir 12, ça leur coûte des 10 000 $ 3 couronnes, 3 jours en cour supérieure, puis il y a une sentence suspendue, puis 100 heures de service communautaire pour 22 plaintes. OK? Donc, s'ils veulent, si Trudeau veut enchaîner déjà en cour, je pourrais leur montrer comment se battre. Une autre cause à Montréal le 20 juin. Une autre cause célèbre qui s'en vient. Merci. Assurer qu'on mette en place des solutions pour tout le monde avec assez d'argent. Merci. Un bon plan. Chapeau comme c'est. Le 3 avril prochain. Merci. Merci, Mme Fortier. Et M. Turmel. OK. Je m'appelle l'ingénieur et je mets le chapeau comme symbole en cas que quelqu'un veut rire d'un ingénieur qui parle de vous sauver de Fukushima en finançant le nettoyage. Le Japon est seul maintenant. Essayez de nettoyer ça. Pendant que le monde gaspille des centaines de milliards essayant de combattre la chaleur qui n'est pas là. Donc, si vous n'avez pas compris comment vous avez été volé, si vous n'avez pas compris comment on gaspille nos ressources sur des menaces imaginaires comparées à Fukushima, une menace réelle, je ne joindrai pas encore. Mais je peux vous laisser une dernière idée. À la fin de tous ces débats, les autres candidats, ils vont complètement tout le temps vous dire, on veut ça pour vous, on veut ça, vous devriez avoir ça, on veut travailler pour cela, sans jamais dire comment. Et donc, à la fin de la soirée, je vous fais le défi, quand vous sortez de là, essayez de penser de une chose qu'ils ont dit. Et la plupart des gens ne pourront pas, parce qu'il y avait zéro substance. Il y avait des vœux, des bons vœux, mais pas de substance. Essayez quand vous sortez. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les deux dames ici? Et vous verrez, vous ne pourrez pas vous rappeler. Merci, M. Turner. Mais vous rappelez de moi. Et la logique. J'ai appris comment déterminer la logique avec des mathématiques. Boolean algebra. Et c'est assez facile d'être capable d'être logique dans des situations où on ne s'attendrait pas que ça puisse être déterminé avec des mathématiques. Quelques secondes. Alors, c'est la logique, votre plus grande qualité.